Professeur Mourad Semerouni, bonjour. Bonjour, Solila. Alors, les pouvoirs publics retirent du marché le soi-disant traitement miracle contre le diabète. Cette décision est importante et nécessaire pour préserver la santé des malades. Professeur Semerouni. Oui, nous en sommes très très heureux parce que depuis le début, nous n'avons pas cessé d'alerter d'abord l'opinion publique sur cette, j'ose même pas dire thérapeutique, cette chose commercialisée. Nous avons fait passer un communiqué sur les principaux journaux algériens, co-signé par 6 sociétés scientifiques médicales, la société Diabetou que je représente, la société algérienne d'endocrinologie et de maladies métaboliques, et les sociétés de médecine interne, pour alerter donc le citoyen algérien sur le fait qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun médicament nouveau, en tout cas fabriqué en Algérie, qui pourrait se substituer au traitement que leurs médecins leur prescrivent et qu'ils doivent donc rester très attentifs par rapport à ça. Alors si je m'en tiens à vos propos, vous avez agi, vous avez alerté, vous avez dénoncé, saisi les pouvoirs concernés. Ouais. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que cette décision est arrivée un peu tardivement? Je crois que c'est ce que nous craignons arrive, puisque nous avons constaté depuis quelques jours des cas d'hospitalisation pour coma diabétique. Je ne sais pas si le comateux hospitalisé à Constantine n'est pas passé de vie à trépas, donc il faudrait donc vérifier. C'est vrai qu'on aurait dû, et je crois que le ministère de la Santé aurait dû être un peu plus attentif à cela, parce que dès le début, donc un matraquage médiatique, un marketing féroce donc, a fait passer ce produit pour la solution miracle au diabète. Et bien entendu, certains patients et patientes, dans le désarroi et crédules, y ont cru et ont décidé de substituer leur traitement habituel par cette formule qui est commercialisée actuellement sous le nom de Rahmet Rabbi. Vous voyez un petit peu la consonance aussi religieuse, gravissime, d'associer Dieu à une escroquerie pareille. Mais comment se fait-il qu'un infirmier ait trempé tout le monde, y compris les hauts responsables au niveau du ministère alors, de la Santé? Écoutez, moi je suis là aussi. Vous savez que depuis déjà quelques mois, nos collègues endocrino-diabétologues, médecins internistes et généralistes nous interpellent, non pas sur le fait de cet individu, de ce charlatan, mais par rapport au fait justement que le ministère de la Santé ait été assez crédule pour se lancer dans cette affaire-là sans s'entourer de précautions. Je rappelle simplement qu'au ministère de la Santé, il y a un comité national diabète présidé par le professeur Belhadj, qui ne s'est pas réuni depuis des années, qu'il y a un comité national, qu'un comité diabète au niveau de la direction du médicament avec 12 experts cliniciens, on a passé outre, sans compter bien entendu les conseillers du premier responsable du ministère de la Santé, qui sont déjà des individus connus sur la place d'Alger, qui auraient pu donner leur avis avant de placer ce produit sur le marché. Mais justement, en off, vous m'avez déclaré que c'est la présidence de la République qui a agi, qui a saisi le premier ministère pour retirer immédiatement ce médicament du marché. Je pense que l'agitation qui a eu lieu, je pense que la présidence de la République est très attentive à ce qui arrive sur le terrain, et je pense, je n'ai pas de certitude, je pense que c'est sur injonction de la présidence et de la chefferie du gouvernement que ce produit a été retiré du marché. Alors certains disent, notamment parmi les professionnels de la santé, les médecins et autres, et les pharmaciens, que tous ceux qui ont fait la promotion de ce soi-disant traitement, pour ne pas vous fâcher, je vais dire produit, devraient être poursuivis en justice aujourd'hui pour homicide involontaire. Écoutez, s'il y a des décès, s'il y a des situations gravissimes, je pense que le citoyen algérien est tout à fait en droit de poursuivre les gens responsables de cette situation. Je pense que c'est tout à fait possible. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'à ce niveau, on peut être naïf? Écoutez, je pense qu'il y a une bonne part de la population. Vous parlez du citoyen. Tout le monde. De tout le monde.
Écoute, moi, je vais parler du citoyen. Je vous laisse penser ce que vous voulez par rapport à d'autres individus. Le citoyen algérien, il est sûr qu'il y a des citoyens algériens qui sont très crédules et qui croivent donc à tous ces charlatans satellitaires, locaux, des chaînes de télévision locales privées qui font la promotion de charlatans, et on l'a vu, hein, donc avec cette histoire-là. Devant cette maladie qui est tout de même assez pénible, hein, avec aux conséquences qui sont parfois très 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 sérieuses, ben je crois qu'une bonne partie de la population, pas toute heureusement, y a cru et a plongé quoi dans cette affaire. Alors c'est une maladie pénible, la maladie du diabète, c'est la deuxième maladie chronique en Algérie après l'hypertension artérielle, avec près de 3 millions de malades. Ce chiffre est-il confirmé aujourd'hui, professeur Samoloni? Parce que en faisant une recherche, on trouve plusieurs chiffres, parfois même des chiffres contradictoires. Certains disent 3 millions et certains vont même plus loin et ils disent qu'il y a à peu près 5 millions de malades atteints de diabète en Algérie. Quel est le chiffre réel? Alors, le chiffre réel, je n'aime pas les chiffres parce que les chiffres sont souvent menteurs, hein, mais je vais vous dire tout simplement que vous parliez de l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, c'est tout de même 30% de la population moyenne. C'est beaucoup plus que le diabète tout court. Hein. Et le diabète sucré, alors nous avons une enquête officielle, c'était pour l'OMS qui a été dirigée par le ministère de la Santé, qui date de 10 ans, nous étions à 8,2% de diabète de type 2, c'est-à-dire des gens âgés de plus de 35 ans à 70 ans. 8%, vous calculez, 8%. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, 10 ans après, quel est ce chiffre? Eh bien, nous attendons que le ministère de la Santé, avec l'aide de l'Institut de Santé Publique, ce n'est pas aux cliniciens que nous sommes de faire ce type d'enquête épidémiologique, de lancer une seconde enquête pour vérifier si ce chiffre a augmenté. Nous, à notre niveau, nous faisons des petites enquêtes locales et qui prouvent que les choses sont en train d'augmenter. Je vous rappelle juste qu'un travail a été fait sur la région de Mila par l'équipe d'endocrino-diabétologues de Constantine. Le chiffre est de 16% dans la région dans la commune de Mila. 16%. C'est-à-dire que si se vérifie que nous sommes passés de 8 à 16%, c'est dramatique, c'est que les choses sont en train d'augmenter de manière vertigineuse. Donc oui, la prévalence est certainement importante. Je ne dirais pas 16, mais nous pensons qu'on n'est pas très loin des 10%, c'est-à-dire un individu sur 10 que vous rencontrez dans la rue, âgé de plus de 35 ans et diabétique DT2, qui le sache ou qui ne le sache pas, parce que plus de la moitié, pour un diabétique connu, il y a un diabétique qui reste malheureusement encore méconnu et qu'il faut donc détecter par des opérations de dépistage. Mais est-ce qu'on peut considérer que le chiffre avancé déjà par certaines organisations qui activent sur le terrain de 5 millions peut être confirmé par rapport à ce que vous déclarez à l'instant? Mais non, on ne peut pas confirmer, c'est des chiffres. Chacun y va avec ses chiffres. Je vous dis qu'il faut que le ministère de la Santé fasse une enquête nationale de prévalence et vous donne le chiffre réel. Alors voilà. Il y a aujourd'hui au niveau du ministère un comité national du diabète, il ne s'est pas réuni depuis longtemps, vous venez de le dire. Oui, le comité national. Il faudra poser la question au ministère de la Santé, à quoi il sert. Mais normalement, il devrait donner des indications réelles sur la maladie, son suivi, le traitement qui doit être aujourd'hui administré, commercialisé. Bon, je ne voudrais pas parler au nom du professeur Belhadj Mohamed, qui est le président du comité national du diabète, qui est actuellement à Oran, mais il est effectivement que quand on installe au niveau de la direction de la santé un comité national de diabète, c'est pour aider justement l'autorité sanitaire à développer des axes diagnostiques, thérapeutiques, etc., et conseiller la politique en matière de diabétologie de manière générale. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette maladie, avec sa prise en charge aujourd'hui, s'améliore en Algérie par rapport à il y a quelques années, où il y a quand même des efforts à accomplir? Bien entendu, il y a toujours des efforts à accomplir, Sohila. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le diabète a bien évolué. Écoutez, moi je suis sur le terrain, comme je vous le disais tout à l'heure, depuis presque une quarantaine d'années. J'ai vécu la diabétologie dans les années 70 avec le professeur Aït Mesbah, mon patron, avec le professeur Iloul, et je vous assure que la situation de l'époque n'est pas celle d'aujourd'hui.
Hein, à l'époque, un diabétique de type 1 avait une espérance de vie qui n'allait pas au-delà de 10 ans. Voilà, au bout de 10 ans, il était en complication, cécité, insuffisance rénale. Nous avons des DT1 maintenant qui dépassent les 30 ans, 35 ans et 40 ans d'évolution. Quant au DT2, il s'est nettement amélioré. Je ne peux pas vous donner des chiffres. Ce que je dis, c'est peut-être empirique, mais il faudrait justement qu'il y ait des enquêtes à ce niveau pour savoir si la qualité est en train de s'améliorer. Je vous donne juste un petit exemple de quelque chose que nous avons fait il y a quelque temps de cela. Nous voulions savoir, vous savez, pour savoir si un diabétique est bien équilibré ou non, il faut doser l'hémoglobine glycée à des intervalles réguliers. L'hémoglobine glycée, c'est ce qui permet de savoir si un diabétique est bien équilibré sur les 3 mois qui précèdent. Eh bien, on a lancé une enquête nationale avec l'aide du ministère de la Santé et en 2009, et à l'échelle nationale. Nous avons contacté tous les laboratoires à l'échelle nationale et hospitaliers. Et nous avons été stupéfaits. 80% des dosages n'étaient pas validés. Donc, donnaient des résultats à peu près faux. Donc, on a fait un rapport au ministère de la Santé qui a bien réagi et qui a demandé à tous les laboratoires de se mettre donc en conformité par rapport à cela. Nous attendons de recontrôler à l'échelle nationale en 2016 ou en 2017, on nous l'a promis, le directeur de la prévention me l'a promis, pour refaire cette enquête et pour vérifier si nous avons amélioré la chose. Parce que c'est sur cet argument-là que vous pouvez dire si vos diabétiques sont équilibrés ou non. Mais justement, aujourd'hui, quand on parle de la prévalence du diabète en Algérie, c'est la deuxième maladie chronique après l'hypertension artérielle. Est-ce que cela est lié à notre surconsommation du sucre dans les aliments? Certains disent qu'on se shoote au sucre en Algérie. Ah, mais c'était quasi évident. Sucre, sel et graisse. Donc, sel, sucre et graisse sont effectivement la cause de tout cela. Regardez, lorsque vous grossissez de 500 grammes dans une population moyenne, vous augmentez la prévalence du diabète de 9%. C'est énorme. Le diabète apparaît avec l'apparition de l'obésité. L'obésité, tout de même, est assez prévalente. Regardez autour de vous, dans la rue, regardons les photos. Moi, je suis monté il y a quelques semaines accompagné des amis pour visiter le musée national du Moudjahid juste à côté, et je regardais le morphotype de nos parents, de nos, ils étaient beaucoup plus minces. Nous sommes maintenant plus pléthores, et cela est dû justement à la malbouffe. Alors, mais la surconsommation du sucre dans les aliments aujourd'hui, puisque le ministère du Commerce est en train d'examiner la question pour réduire le sucre dans les produits alimentaires consommés, parce que la quantité de sucre est aujourd'hui planifiée par rapport à un décret datant des années 70. Est-ce qu'il faudrait tout revoir, revoir tout? Non, il n'y a pas à tout revoir, il faut décider de réduire de 30%. 30% carrément? 30% de sucre, il n'y a pas de sevrage brutal, on n'est pas en nicotine, etc. Il faut que l'Algérien comprenne que ce qu'il est en train d'avaler en matière de sucre va lui causer des torts gravissimes dans les années à venir. Si on n'y prend pas garde, si on ne répond pas rapidement à cela, les chiffres vont encore exploser. Vous savez que nous avons à peu près 30% de plus de sucre par rapport dans nos limonades et dans nos jus par rapport aux autres pays. Alors j'ai lu dans les journaux il y a quelque temps, bien entendu, le lobby du sucre est contre cette décision et lui préfère aller très slowly, de manière soft, avec 1% de moins sur les 5 à 10 années. Alors, moi je suis vraiment révolté d'entendre ça. Il faut impérativement, peut-être dans les 2-3 années, réduire de 10, ensuite de 10 et encore de 10 pour atteindre les 30% dans les 3 années pour ramener le taux de sucre à sa véritable réalité. Alors, professeur Mourad Semrouni, moi je voudrais revenir un peu sur cette maladie. Les médicaments commercialisés en Algérie, est-ce qu'ils répondent aux normes de telle sorte à prendre en charge convenablement tous les malades atteints du diabète aujourd'hui? Moi je suis tout à fait persuadé que la majorité des thérapeutiques que nous avons, c'est-à-dire les thérapeutiques orales comme les biguanides, les sulfamides hypoglycémiants et les insulines, sont totalement conformes puisqu'on n'a que ça pratiquement. Nous attendons l'arrivée avec impatience d'autres molécules qui ont prouvé leur efficience, en particulier en réduisant
l'obésité, en réduisant le risque d'hypoglycémie, hein, qui sont les incrétines, je ne vais pas rentrer dans les détails, et les inhibiteurs du SGLT2. Ce sont deux classes thérapeutiques qui sont en train de bouleverser les choses à l'étranger et que nous souhaitons voir arriver dans la pharmacopée algérienne. Voilà, donc globalement... Mais par rapport à la consommation de l'insulinurie, est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, par rapport au nombre de malades qui existent à travers le territoire national, on parle de 3, on parle de 5 millions de diabétiques, et on parle aussi de plus en plus d'enfants atteints de diabète ces derniers temps, est-ce qu'il faudrait peut-être passer à une phase supérieure, c'est-à-dire au lieu de l'importer, commercialiser, commencer à produire ces médicaments en Algérie? Vous savez, l'insuline, c'est le process est extrêmement compliqué, il faut vraiment... des structures ultra spécialisées. Je ne crois pas qu'au jour d'aujourd'hui, on soit capable de concurrencer de grands laboratoires, Novo Nordisk, Lilly, enfin, des grands trusts, qui ont 50 années de pratique de fabrication. Mais bien entendu, et il faut se lancer. Hein, il faut se lancer, il faut commencer. Et je pense que Saïdal a un projet en partenariat avec un grand laboratoire et est en train de se préparer à ce challenge. Je pense que pour l'insuline en stylo. Alors, je voulais aussi vous rebondir sur cette question. Je voulais savoir combien de diabétiques sans ou sans insuline, combien nous avons de diabétiques. Posez la question à la CNAS. La CNAS qui refuse de nous donner les chiffres. La CNAS, puisque nous avons des cartes CIFA, tous les diabétiques ont une carte de gratuité. Que la CNAS nous donne le nombre de diabétiques qui sont sous traitement oral et le nombre de diabétiques qui sont sous traitement insulinique. C'est des informations importantes pour nous. Vous parliez de l'enfant. Dans le monde entier, on voit une évolution qui grimpe, hein, du diabète chez l'enfant, et en particulier chez les tout-petits. Hein. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y ait beaucoup plus d'enfants qui soient atteints aujourd'hui de diabète? C'est la malbouffe? Non, chez l'enfant, c'est autre chose. La malbouffe, c'est le diabète de type 2. Vous savez que quand on parle de diabète, il y a le diabète de type 1, du sujet jeune et de l'enfant. C'est à peu près 10% des diabétiques. Et vous avez 90% du diabète de l'adulte, diabète de l'obèse, obèse ou sans obésité. Alors, les étiologies chez l'enfant et chez l'adulte, c'est pas pareil. Chez l'enfant, c'est des maladies auto-immunes, c'est-à-dire qu'il y a des maladies, une prédisposition génétique à développer des anticorps qui vont brutalement s'attaquer au pancréas et réduire tout le potentiel insulinogénique. Donc ça, c'est une maladie. Alors, de l'enfant, pourquoi elle grimpe? Il y a des hypothèses virales, environnementales, tout cela est en train de jouer peut-être, mais la recrudescence la plus importante, c'est dans le diabète de type 2 de l'adulte qui est en train de progresser de manière faramineuse dans le monde entier, particulièrement dans les pays en voie de développement. Je voulais juste, pour donner un comparatif, en France, le dernier chiffre du diabète de type 2, ils étaient 4-5, ils sont à 5. Donc ils montent très progressé, très lentement. Nous, on était à 8, je pense qu'on est entre 10 et 12. Mais est-ce qu'on peut parler de cette maladie en disant que c'est une maladie carrément sournoise, parce qu'on ne ressent pas de douleur? Tout à fait. Et qu'elle est vicieuse, c'est-à-dire qu'elle progresse sans qu'on en prenne conscience, et qu'elle peut mener vers des complications. Et certains disent qu'aujourd'hui, en Algérie, par rapport à l'intervention, par rapport à certaines complications, nous sommes le pays qui recourt le plus à l'amputation. C'est vrai ou pas vrai? Alors Zoé, là c'est bien que vous mettiez du doigt sur cette question-là, parce que quand je vous donne ce chiffre de 8%, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 4% de diabétiques connus et 4% quand on fait les opérations de dépistage qu'on a dépisté. Et on leur dit, tiens, votre glycémie est élevée, vous êtes diabétique. Comment? Je ne savais pas. Donc, pour un diabétique connu, il y a un diabétique méconnu. Les Algériens, malheureusement, à partir de la quarantaine, devraient faire des bilans. Hein, surtout si on a des facteurs de prédisposition, on est obèse, on est hypertendu, on a une mère diabétique, on a accouché d'un enfant de gros poids de naissance, etc. Il faut aller à partir de 40 ans, il faut faire son bilan annuel et rechercher en particulier... Au même titre que le cancer du sein. Peut-être c'est un peu assez particulier pour le cancer, mais je pense que ça c'est tout le monde devrait faire à partir de 40-45 ans, en particulier si on a des facteurs de risque, à aller faire son bilan, son check-up habituel, glycémie et tout le reste. Quoi. Mais est-ce que c'est dû au fait qu'on ne soit pas trop actif en Algérie? On ne fait pas beaucoup de footing, on voit très peu de gens faire du footing dans nos rues. Est-ce que vous faites du footing? Non, pas du tout. Est-ce que vous pouvez circuler convenablement dans les rues d'Alger avec toutes ces crevasses
Allez, dans les services de traumatologie, les petites mémés qui se cassent le col du fémur, etc. Il faut plus de piscines, il faut plus de salles de sport. C'est ça qui pourra réduire le diabète dans notre pays. Avec, bien entendu aussi, essayer de freiner toute cette révolution culinaire, les shawarma partout maintenant, les pizzas, la malbouffe est terrible. Pizza nous, avec mayonnaise. Mayonnaise, 40 états avec mayonnaise et avec harissa, et j'en passe. Donc il faut absolument que l'on réfléchisse aussi à ça. Qu'est-ce qu'on veut comme société? Qu'est-ce qu'on veut comme avenir pour le citoyen algérien. Contre les mêmes, la nourriture au niveau des cantines scolaires, ça c'est important c'est parce qu'on leur fait évident. Manger n'importe quoi. Alors c'est fondamental. Vous dites quelque chose d'extrêmement important. Un enfant, s'il apprend à manger, il sera un adulte qui mangera comme ses parents le lui ont enseigné. Si vous laissez votre enfant chips, on les voit, hein, chips, dehors, garanteta et tout ce que vous voulez. Coca-Cola, et c'est très difficile d'agir chez l'adulte, c'est chez l'enfant. D'ailleurs, des expériences très intéressantes ont commencé à avoir lieu. Donc en France, vous savez qu'à l'époque, on pouvait acheter des canettes, on pouvait acheter des petites choses. Maintenant, dans les petites écoles, les maternelles, on ramène des chefs cuisiniers qui expliquent aux enfants les saveurs des différents aliments, leur montre que c'est qu'une... Il y a des enfants qui ne reconnaissent pas une pomme de terre, ils ne la reconnaissent que quand vous la lui offrez sous forme de frites ou de chips. Mais quand vous lui montrez la pomme de terre sous forme de légumes, quoi, ils ne savent pas ce que c'est. Mais on peut remplacer déjà une canette de coca par un fruit, par exemple, une pomme ou une orange. Malheureusement, Sohila, les fruits flambent. Allez faire le marché, allez au marché, essayez d'acheter des légumes et des fruits de saison. C'est plus facile de manger mal que de manger bien. Ça aussi, c'est un gros problème. Alors, écoutez, par rapport à votre intervention ce matin, j'ai énormément de questions. Je suis désolée pour les auditeurs que je ne poserai pas les questions parce qu'on ne peut pas les prendre toutes. Déjà, certains qui les posent à leur médecin diabétologue. Alors, d'autres, non, mais c'est bien qu'ils vous entendent en même temps. Ils vous posent la question, est-ce que le light existe réellement? Oui, le light, oui, mais je préfère le zéro. Dans le zéro, il y a zéro sucre. C'est quasi certain. Dans le light, il y a un peu plus de calories. Mais oui, il faut en consommer, mais de manière modérée. L'excès en tout est un défaut. Alors justement, par rapport à ce médicament dont on en a parlé, ce n'est pas un médicament, vous allez me dire, c'est un produit. Est-ce que c'est un médicament ou ce n'est plus un médicament maintenant? On le dit, on l'avoue, on l'a retiré du commerce. Est-ce que par contre, c'est un complément alimentaire? Jusqu'à preuve du contraire, non. Moi, je dirais non, parce que ce produit n'a pas répondu aux exigences du contrôle au niveau du laboratoire national de contrôle. Ah, le professeur Mansouri, que j'ai vu il y a, qui est le patron de ce laboratoire, m'a dit qu'il avait reçu ce produit, mais sans spécifier son contenu, ses composants, et donc il l'a rejeté. Donc il n'a pas été soumis à la réglementation. Les compléments alimentaires, alors vous allez pouvoir fabriquer et commercialiser un complément alimentaire demain sans passer par les analyses. Je pense que ce n'est pas un complément alimentaire tant qu'il n'a pas répondu à l'exigence du contrôle de qualité et de son contenu. Alors il peut y avoir une défaillance dans le process d'avant mise en production, ne tuez pas les initiatives de création. Pour autant, professeur Semolouni, c'est ce que vous dit cet auditeur. Ah mais il a... je ne tue pas, je ne vais pas m'auto-flageller. Je suis moi-même un chercheur algérien, hein, donc fabriqué en Algérie, hein, et qui vit en Algérie. Il faut tout simplement, il y a une réglementation qu'il faut suivre. N'importe qui ne peut pas être chercheur. Ce monsieur qui a été affublé du docteur, doctor et de je ne sais pas quoi, n'est qu'un paramédical, malheureusement, qui n'a pas la compétence pour pouvoir fabriquer et initier une thérapeutique pour une pathologie aussi lourde. Alors, mes collègues vous demandent de regarder de l'autre côté de la vitrine. Ils ont ramené un plateau de gâteaux et je suis sûre que vous allez réagir. Alors, permettez-moi aussi de vous poser une question concernant l'approvisionnement du malade diabétique en bandelettes, puisqu'actuellement, il y a pénurie sur le marché des bandelettes. Eh bien, les bandelettes, moi, je pense qu'il y a eu une décision assez sage qui a permis un petit peu d'assainir la situation, puisque... On
a essayé de réduire la consommation de ces bas de lait qui atteignaient des chiffres inimaginables. Hein. Certains laboratoires distribuaient gratuitement ce type d'appareil aux diabétiques. D'ailleurs, les diabétiques ont souvent un, deux, trois appareils et utilisaient de manière pas normale donc, ces réactifs. Je vous rappelle que les réactifs en bandelettes, il y a quelque temps, il y a deux ans de cela, constituaient 40% du budget alloué aux diabétiques. Donc c'était excessif. Et c'est très bien que la CNAS ait limité ce nombre de bandelettes. Chez les patients traités à l'insuline, il y a un rythme qui est conseillé, mais chez ceux qui ne sont pas sous insuline, beaucoup moins à utiliser, et en particulier chez les diabétiques sous mesure hygiéno-diététique en biguanide, on peut se passer de ce taux contrôle. On ne peut pas se passer d'hémoglobine glycée. Ça, c'est autre chose. Alors, pourquoi autoriser ce produit pour l'interdire après, à moins qu'on nous prenne pour des cobayes? Qui c'est qui a autorisé la commercialisation de ce produit, professeur Semeloni? J'imagine que ce produit n'aurait pas pu passer sur le marché si le ministère de la Santé n'avait pas donné son accord. Donc, moi, je pense que monsieur le ministre peut-être a été trompé ou je ne sais quoi. Bon, mais je pense que... Je pense que c'est à ce niveau-là. On n'aurait pas dû, je vous l'ai dit en début de cette émission, on aurait dû demander un avis aux experts au niveau du ministère de la Santé avant de décider de le commercialiser. Alors, quelle est votre position sur la commercialisation des produits contenant l'aspartame, ces cancérigènes, sachant que la supradine en contient également? Non, il n'y a pas de preuve indubitable. Donc, l'aspartame, il faut l'utiliser, mais parce que c'est un édulcorant qui donne un petit goût sucré. Moi, je ne l'aime pas particulièrement, je ne le propose pas à mes patients. Je leur apprends à manger sans sucre et à perdre le goût du sucre. Parce qu'il a été démontré que ceux qui gardent le goût sucré sont ceux qui sont le plus déséquilibrés. Donc moi, mais ceux qui l'utilisent de temps en temps, bon, why not, pourquoi pas. Alors, est-ce que vous considérez aussi que cette commercialisation a été favorisée par le fait que dans 70% des officines ou des pharmacies, c'est devenu quasiment des hanouts, où les pharmaciens sont quasiment absents, ils se font remplacer par des jeunes qui n'ont aucune qualification professionnelle pour orienter? Moi, je crois que vous êtes un peu excessif parce que... C'est l'auditeur, attention. C'est l'auditeur, non, je parle à lui, à cet auditeur ou cette auditrice. J'ai vu dans les journaux que le syndicat des pharmaciens... a réagi très positivement en déconseillant la commercialisation de ce produit, en pointant du doigt aussi qu'il ne savait pas exactement ce qu'il contenait, et il déconseillait à ses officines de commercialiser ce produit. Bon, d'autres l'ont commercialisé, c'est à leur responsabilité d'être assumé. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que ce médicament a bénéficié d'une surmédiatisation? C'est ce qui a fait aujourd'hui qu'on ait induit tout le monde en erreur. Incontestablement. Et que maintenant, il faudrait peut-être contrôler certains, parce que généralement, on ne fait pas de la publicité, ouais. C'est interdit hein, au niveau ouais. mondial sur ouais, des ouais. produits pharmaceutiques. Oui, que l'atla fait un réel, comme on dit en arabe. Je pense que ce sera peut-être l'occasion pour qu'on fasse beaucoup plus attention la prochaine fois. Hein. Mais il est quasi certain que ce produit-là a été surmédiatisé, a reçu un petit peu, donc a reçu, comment dirais-je, a été parrainé un tout petit peu par certaines personnes, hein, qui fait que ce produit a pu passer. Alors certains vous disent aussi, vous avez parlé de la production nationale, vous dites bon elle n'est pas très importante, à peine maintenant que nous commençons à faire. Est-ce que certains... Par rapport à l'insuline. Oui, par rapport à l'insuline, ils disent est-ce que vous n'êtes pas par exemple en train d'encourager plus l'importation par rapport à vos propos, professeur Semeloni? Je n'encourage pas, j'explique simplement que le process de fabrication d'insuline est extrêmement compliqué, qu'il faut une technicité à la pointe et que l'Algérie n'est pas au rendez-vous au jour d'aujourd'hui, mais qu'elle peut commencer à partir... D'ailleurs, on a commencé, je crois que Saïdal a eu un petit peu de retard avec un laboratoire précédent, mais avec le laboratoire actuel, je pense qu'elle est en bonne voie pour commencer un petit peu mettre le pas dans cette machine
qui fabrique l'insuline. Mais c'est technologie de haute pointure, quoi. Je pense que ce n'est pas demain la veille. Alors, pour réduire le taux de sucre dans les aliments, est-ce qu'il est déjà, il faudrait que les pouvoirs publics cessent de subventionner le sucre, parce qu'en subventionnant le sucre, ils subventionnent la maladie? Oui, moi je pense qu'il n'y a pas que le sucre, il y a plein d'autres choses qui ne devraient plus être subventionnées. On devrait subventionner les nécessiteux. Et là, je crois qu'on subventionne tous ces lobbies, hein, du sucre et de tout le reste, hein. Je pense que la nouvelle initiative politique, je ne suis pas politicien, mais d'aller vers le citoyen nécessiteux directement, c'est une excellente politique. On n'a pas à aider, à subventionner des choses qui sont utilisées à tort et à travers. Allez dans n'importe quel café, je sais pas, vous n'entrez pas dans les cafés, moi je rentre dans les cafés morts. Il faudrait pour que je siroter, me déguise. Voilà, pour siroter un café. Vous verrez la consommation effrénée et terrible de sucre. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour cette émission, mais je voudrais juste répondre à un auditeur qui me dit « Pas de publicité, Madame Souhil El-Hachmi, s'il vous plaît, vous dites Coca-Cola plusieurs fois dans l'émission. Je suis désolée, je crois que Coca-Cola n'a pas besoin de ma publicité. » C'est ça, voilà, oui, c'est une oui. grande firme internationale qui existe partout. Voilà. Merci beaucoup, professeur Mourad Semerouni. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Bonne journée, bon week-end, merci, merci à bientôt. À